Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Contente de pouvoir reprendre ma petite routine. Ça y est, là, je me suis stabilisée. C'était dur la première semaine, mais voilà, là, on est sur la fin. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis trop contente. Je vais vous partager plein de choses. Je vais pouvoir tout vous raconter, etc. dans les prochains jours. Là, aujourd'hui, go chez ma belle-mère. Donc, on va se préparer ensemble. On va se faire jolie. Donc, là, je suis en petit pyjama. D'ailleurs, vous m'avez tout dit, Yousra, on veut voir ton ventre. Donc, je vous montre mon ventre. C'est comme si. Presque, il n'y avait plus rien. Bon, il reste encore un peu de graisse. Et j'ai la ligne qui est restée de la grossesse. Pour l'instant, je ne sais pas si ça va partir. Mais voilà, pour mon ventre, petit update. Le ballon, voilà, il était comme ça. Et là, il me reste que ça. Donc, pour l'instant, je m'en fiche. On verra ça plus tard. Pour le programme d'aujourd'hui, les filles, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on a l'anniversaire. Donc, c'est l'anniversaire du frère de Isaac. Donc, ça va être trop, trop bien. Plus, on va préparer l'Aïd pour demain chez ma belle-mère. Donc, je vais aller me changer. Je vais me préparer. Je me suis préparé une petite tenue là, ça y est, je veux redevenir coquette et j'ai remarqué que quand je prends soin de moi, je vais beaucoup mieux. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, dès que je m'apprête, je me fais un petit peu jolie, je mets un beau pyjama, etc., je me sens tellement mieux. Donc là, je me suis préparé ma petite tenue, on va la faire ensemble. Je vous montre mon petit outfit du jour. Donc j'ai mis ce petit haut mango, jean mango, les hauts en blanche. Et le sac que Jamel il m'a offert. Les filles, j'aime trop le outfit. Je vais vous mettre toutes les références. Je vais juste rajouter ma petite montre. Et ensuite, je m'occupe d'aller habiller Isaac. Bon, en attendant que Isaac se réveille, je vais le laisser terminer sa petite sieste avant d'aller l'habiller. J'ai préparé son sac allongé, parce qu'on va rester toute la journée chez ma belle-mère. Et du coup, il y aura beaucoup, beaucoup d'enfants aujourd'hui. Et je sais qu'ils vont vouloir tous le toucher, le voir, etc. Et à l'hôpital, ils m'ont dit de faire très attention pour les cas de coqueluche. Même si moi, je suis vaccinée, les autres ne sont pas vaccinés. Donc voilà, je vais faire très attention sans frustrer personne parce que je sais qu'ils veulent tous le toucher, tous le voir, etc. Donc alors, déjà j'ai pris sa petite trousse de toilette dedans. Enfin, c'est une petite trousse qu'on m'avait offerte et dedans j'ai mis. Alors, je vous disais, j'ai mis tous les échantillons que l'hôpital m'avait donné. Donc tout ce qui est en miniature, liniment, crème de change et tout. En fait, j'ai tout en miniature. Donc je les ai mis dans une petite trousse comme ça, tous les petits, là les petits, je les mets bah, dans quand je bouge. Des cotons, voilà. Et tous les produits pour laver, quoi. Donc ça c'est bon. Au cas où, même si je suis dehors et que j'ai pas d'eau, au cas où, j'ai de quoi le changer. Une brume. Bien évidemment, gel hydroalcoolique, parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Des lingettes. Couche. D'ailleurs, il faut que j'en mette d'autres. Un body de rechange que je vais beaucoup mieux plier que ça. Voilà. Et au cas où s'il se tâche, enfin s'il fait pipi sur lui et que ça transperce, un pyjama pour qu'il soit à l'aise. Toc toc toc. Là, on a la table pour le changer qui fournit avec le sac. Et c'est tout, je pense que c'est suffisant. Il me manque juste un change. Ah non. Et bien évidemment, ce qui me sauve sur les côtés, les bouts de sein pour pouvoir lui donner le lait. Parce que moi, j'y arrive qu'avec ça sans me faire mal. Donc voilà, les bouts de sein sur les côtés. Et il me faut juste des langes. Il faut que je rajoute des langes. Vous savez, même si je suis en extérieur, au moins je peux mettre par-dessus sa tête, etc. Comme ça, on ne voit pas quand je lui donne le sein. Même chez ma belle famille. Voilà. Donc il faut juste que je rajoute des langes. Et derrière, on a. Ouais, carte vitale, etc.
Voilà, son sac est prêt. Pourquoi tu pleures? Parce que je vais y aller. Pourquoi tu pleures? Je vais y aller. Arrête de rire. Mais les filles, je vous explique même pas quand Jamani m'a ramené ça à la maternité. Le jour où j'ai accouché, j'ai mangé ça. Et là, tous les jours, j'en mange. J'aime trop ça. Vous connaissez ma passion pour le bœuf séché. C'est incroyable. Il y en a, leur passion, c'était de remanger des sushis. Moi, pas du tout. C'est de la viande comme ça, là. Du bœuf séché. Qu'est-ce que j'aime trop ça. Depuis l'accouchement, je suis à mon 5e paquet. C'est trop trop bon. Le petit cœur, il s'est réveillé. On a changé la petite couche. Là, on s'habille. Comme ça, on va aller voir toute la famille. Les tatas, les tontons, mamie, papy. Tout le monde y t'attend, petit chéri. Hop. Jamal, il est venu nous récupérer. Go chez ma belle-mère. Bon, les filles, go chez ma belle famille. Je sais pas pour vous, mais moi pour l'instant, je me sens toujours pas de conduire toute seule. Pour l'instant, j'ai encore besoin de Jamal et carrément, je monte même pas devant, je monte toujours derrière pour surveiller mon petit bébé. Non, mais Jamal, tu m'as mangé ses lunettes. Waouh, l'anniversaire, magnifique, total Spider-Man, trop trop beau. Oh, le gâteau, les cadeaux, magnifique, trop trop beau. Papa, il a géré. Viens, toi. Joyeux anniversaire. 1, 2, 3. D'accord.
je te jambe. Cadeau, papa. Ça, c'est pour toi. Cadeau, papa. Ça y est, je suis rentrée à la maison, c'était une super belle après-midi. Franchement, ça m'a fait trop plaisir de voir tout le monde. C'était une trop belle après-midi. Donc là, je me suis remis en pyjama. Ça y est, de retour à la maison, je vais aller me faire un petit truc à manger. Je voulais juste vous remettre le contact de l'As du Corps parce que vous êtes très nombreuses à chaque fois à me demander le contact pour ma petite sœur. Donc vous savez, c'est là où on lui a fait ses implants pour ses dents. Donc je vais vous remettre toutes les informations, le compte. Et n'hésitez pas les filles à faire des demandes d'informations via ce lien. Donc vous pouvez poser toutes les questions. Bonjour à tous, une petite vidéo tuto pour vous expliquer comment remplir le formulaire. Donc quand vous cliquez sur les liens que vous voyez sur les réseaux sociaux ou qu'on vous envoie par message, vous avez un petit lien comme celui-ci, un formulaire qui s'affiche. Donc vous remplissez les informations de base, nom, prénom, adresse email valide, un numéro de téléphone valide joignable également via WhatsApp. Et puis vous sélectionnez le type d'intervention que vous souhaitez, soit une greffe de cheveux, greffe de barbe ou une greffe capillaire, soit les soins dentaires, soit les deux. Vous joignez les photos telles que je vous le montre. Donc, les photos, vous les prenez soit avant et vous les mettez dans votre pellicule ou vous les prenez en direct. Donc, les photos, elles doivent bien suivre les deux schémas avec de la luminosité et qu'on voit bien toutes les dents ou tous les cheveux. Ensuite, vous cochez les deux cases, vous soumettez et vous allez recevoir un petit message qui vous dit que c'est bon. On a bien reçu votre dossier, vous n'avez plus qu'à attendre l'appel d'une coordinatrice. Donc, vous voyez, nom, prénom, numéro de téléphone avec WhatsApp, adresse email valide, les photos et le OK. Franchement, les filles, vraiment, quand je vous dis, je suis trop contente là aujourd'hui, ça va tellement mieux. Parce que je sais que le début, c'était cata. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se sont inquiétés. Mais là, ça va beaucoup mieux et les jours qui arrivent, ils vont être trop bien. Sachant que je vais partir dans le sud, je vais aller chez mes parents, je vais me reposer, machin, tout ça. Et ça va être trop, trop bien. Là, j'ai trop hâte de commencer l'été. Bon, ça les filles, c'est ma belle-sœur qui m'a préparé ça. Et ça, je prends 3 cuillères par jour. C'est pour booster la lactation. Donc, c'est ça. Alors, pour moi, j'appelle ça du sfouf. Après, vous appelez ça comme vous voulez. Donc, dedans, il y a des graines de fenouil. Il y a des amandes. Et je sais pas à quoi d'autre. Mais en tout cas, les amandes et les graines de fenouil, c'est ça qui va booster la lactation. Donc, ça les filles. 3 cuillères par jour minimum. Il n'y a que moi qui le mange. Bon, les filles, j'ai reçu ma petite commande Pepe Chicken. On va manger avec Isaac, on va vous dire ce que ça vaut. La moitié, je vous dis la vérité, je mets un bon 9 sur 10. C'est vraiment très très bon. Vraiment, c'est exactement ce que je voulais.